Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Suphone. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo qui sera un squad builder sur FUT 15, une équipe hybride à 100% de collectif, enfin 100 de collectif pardon. Alors la composition c'est le 4-3-3 numéro 4. Une fois que vous avez mis cette composition, on va attaquer directement avec le gardien qui est Ter Stegen, je sais pas si ça se dit comme ça, le gardien allemand du FC Barcelone avec 83 en plongeon, 85 en réflexe, 78 de positionnement, 1m89, acheté 3600 crédits, il est très très bon. Maintenant, on va aller en défenseur central côté gauche avec le français, toujours au FC Barcelone, Jérémy Mathieu, 76 de vitesse, 82 en défense, 81 en physique. Acheté 3600 crédits aussi, il est très grand et il est vraiment partout. Il est excellent, je l'adore. Maintenant, on va aller de l'autre côté de la charnière centrale avec toujours FC Barcelone, Javier Mascherano, un peu moins rapide mais très très fort aussi, avec 69 de vitesse, 84 en défense, 80 physique. Acheté 2000 crédits. Lui et Mathieu font une bonne charnière centrale. Maintenant, on va aller à droite avec un joueur que je ne connais pas. Il s'appelle Peluzzi. Je sais pas, ça se dit comme ça. Acheté 300 crédits. Il est très rapide. 82 en vitesse. 67 en défense. 69 en physique. Il est loin d'être dégueulasse, franchement. Maintenant, on va passer de l'autre côté avec le DG qui est autre que le Parisien Lucas Digne. 80 vitesse. 74 de défense. 73 en physique. Voilà, rien à dire. Loin d'être dégueulasse lui aussi. Maintenant, on va aller en milieu normal avec Johan Cabaye. Vous pouvez mettre Blaise Matuidi aussi, mais moi j'ai préféré mettre Johan Cabaye, avec 68 de vitesse, 75 en tir, 82 en passe, 78 de dribble, 71 de défense, 73 par physique pardon. Il est complet et pas cher, 2000 crédits. Voilà, maintenant on va passer au milieu offensif, sauf que moi c'est un MC. Là, je galère un peu, excusez-moi. Le Parisien, Javier Pastore. La vitesse n'est pas là, mais le reste y est. 76 de tir, 81 en passe, 83 en dribble, 4 étoiles gestes techniques. Acheté 650 crédits. Regardez, parti jouer avec mon club. 22, 5 buts, 11 passes. Voilà, rien à dire, excellent. Alors, le prochain joueur, c'est en partie grâce à lui que j'ai fait cette équipe. C'est Enzo Pérez, le joueur du Benfica. 80 physique, 73 de tir, 78 de passe, 82 en dribble, 74 de défense, 80 physique. Acheté 2800 crédits, sauf qu'en ce moment vous pouvez le trouver à 1500 à peu près. Moi je l'ai acheté il y a longtemps. Donc voilà, bah excellent, regardez sa carte, hein. Rien à dire. Maintenant on va attaquer avec le AD, sauf que moi, oh merde. Pardon, sauf que moi c'est un MD, toujours au Benfica, avec Salvio. 88 en vitesse, 73 de tir, 73 de passe, 84 en dribble. 4 étoiles gestes techniques, acheté 1200 crédits. Ouais, il tient la route, franchement. Regardez, 22 parties jouées avec mon club, 7 buts, 3 passes décisives. Voilà, il est complet. Maintenant, on va aller de l'autre côté avec l'AG. Ezequiel avait dit, lui il est cher, mais excellent aussi. 87 en vitesse, 76 en tir, pardon, 75 en passe, 85 en dribble, 73 de physique, 4 étoiles mauvais pied comme de gestes techniques. Voilà, 22 parties avec mon club, 8 buts, ouais, 8 buts c'est ça, et 7 passes décisives. Voilà, il est excellent. Maintenant, avec le buteur, vous avez plusieurs choix, sauf que moi j'ai préféré mettre Palacio, les amis. 85 en vitesse, 82 en tir, 84 en dribble, 3 étoiles gestes techniques comme des mauvais pieds. Acheté 2600 crédits, sauf qu'il est moins cher en ce moment. Bah, il est énorme. 22 parties avec mon club, 27 buts, 4 passes. Rien à dire. Après la passe, vous pouvez le mettre si vous voulez. Lionel Messi, si vous l'avez. Higuain aussi. Agüero, Tevez, etc.
Une bonne petite équipe, elle vaut à peu près entre 25 et 30 000 crédits. Ça dépend, des fois les prix baissent, les prix montent, c'est comme ça. Voilà, c'était Sufouane pour ma première vidéo. J'espère que vous avez aimé. Allez, salut tout le monde.